J'ai une maman qui est instite aussi, qui lisait énormément, un grand-père qui lisait beaucoup aussi, donc je suis née dans les livres. Toute petite, je me souviens, ma passion c'était les encyclopédies. Je ne lisais que la mythologie grecque, que je connaissais par cœur, et puis bon, toutes les BD, parce que j'étais une fan de BD aux grandes dames de ma mère. Et puis à l'âge de 10-12 ans, je lisais beaucoup le Nouvel Obs aussi, parce que ma mère était abonnée au Nouvel Obs. Donc je découvrais un petit peu les articles d'actualité. Le premier contact après la BD et l'encyclopédie, c'était Le Lion de Joseph Kessel, quand j'étais enfant. Parce que je crois que je suis passée, c'est le premier roman avec lequel j'étais en contact. Alors j'avais quelques livres Bibliothèque Rose et Verte que je n'ai jamais lus parce que ça ne me plaisait pas du tout, donc on devait m'acheter ça pensant que c'était bien. Et Le Lion de Joseph Kessel, pour moi, c'était la révélation, comme beaucoup d'enfants, je pense, cette relation entre cet animal sauvage et cet enfant au fin fond de l'Afrique. Donc pour moi, la lecture, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à la connaissance, mais au monde, à l'évasion aussi, s'évader dans d'autres mondes.